ceux qui ont marqué l'histoire, permettez-moi la répétition, l'histoire du sport en Afrique ou ailleurs. Il y a également le débrief qui est une émission qui revient sur les informations sportives, mais dans un axe un peu décontracté. Et puis il y a édition spéciale qui est un programme uniquement pour une personnalité particulière dans son domaine bien défini. On essaye, n'est-ce pas, d'évoquer les bienfaits ou ce que la personne a réalisé. Et après, vous avez Match D. Match D, c'est une projection en direct d'un match choisi par la direction. Alors, la vente d'équipements sportifs, c'est un projet qui est en train d'être travaillé par la direction de GFIEMS. Nous allons disposer d'une e-boutique GFIEMS Marketplace sur notre site www.gfiems.net. Ce sera, n'est-ce pas, pour aider les clubs à s'acquérir des équipements sportifs ou encore du matériel d'entraînement. Nous avons des conseillers sportifs, comme je l'ai dit. GFIEMS propose des conseillers sportifs certifiés et dotés d'une expérience de sportif de haut niveau. Un système d'accompagnement qui est mis à votre disposition par nos experts pour gérer vos litiges ou d'autres aspects concordants au domaine du sport et des valeurs de la confiance. Comme vous savez, le sport de haut niveau nécessite un ensemble d'accompagnements et il faut, n'est-ce pas, pour aspirer et atteindre des objectifs de carrière et autres, être accompagné par des experts. Et GFIEMS a donc pensé à mettre en place des conseils sportifs pour des jeunes joueurs qui nous font confiance. L'organisation d'événements sportifs, il s'agit entre autres de l'organisation des programmes de détection, des tournois de football, des cérémonies de récompense, d'actions sociales, afin d'offrir des opportunités à tous les jeunes sportifs venant de tous les horizons. Vous avez aussi des GFIEMS Awards. C'est un projet qu'on va, n'est-ce pas, entamer dès la saison prochaine avec tous les joueurs qui vont se distinguer en Botola, puisque nous sommes au Maroc, nous couvrons la Botola. Et vous avez en image déjà la toute première détection organisée par le groupe GFIEMS avec ses collaborateurs Clube des Sportifs au Sobrado, Young Sport Academy ou encore le FC Boavista. Ce sont des partenaires et bien évidemment Madi Soccer Camp, des partenaires du groupe GFIEMS qui, n'est-ce pas, nous ont accompagnés vers l'aboutissement de ce projet. Et cette détection a duré une semaine, c'était au mois de mai dernier. Et pendant les une semaine, 5 jeunes joueurs ont bénéficié, n'est-ce pas, de l'attention des détecteurs portugais. Ils sont venus spécialement pour la circonstance. Et ils iront dans les prochains mois au Portugal suivre, n'est-ce pas, leur carrière. Et je rajoute qu'il y avait une cinquantaine de joueurs venant de tous les horizons, Côte d'Ivoire, Sénégal, République centrafricaine, Cameroun et sur place ici au Maroc. Les jeunes venaient de Pénitra, de Casablanca, un peu partout. Alors, pour ceux qui veulent nous faire confiance, ceux qui veulent s'ajouter à l'accompagnement de notre projet, nos contacts sont là, GFIEMS, avec les numéros de téléphone que vous voyez à travers l'écran. Il y a également l'adresse mail qui est là, info.gfiems@gmail.com, info@gfiems.net. Ou alors, vous pouvez tout simplement aller dans le site internet www.gfiems.net. Merci à tous. Merci à vous. Passer la parole au directeur technique. Au directeur technique de... Excusez-moi une minute. Le directeur technique donc des académies Madrid Soccer Camp, on vous l'a présenté tout à l'heure, monsieur Luis González, qui est, n'est-ce pas, celui-là qui a formé des grands joueurs comme Quaresma, comme Cristiano Ronaldo, et qui récemment était le sélectionneur de l'équipe nationale de Mozambique. Je vais lui passer la parole et puis voilà, il va mieux s'exprimer devant vous.